me rattrape toujours. Bonté et faveur sont sur ma vie. Ta grâce me rattrape toujours. Bonté et faveur sont sur ma vie. Oh, 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 oh. Une condamnation. Oh, oh, je ne peux m'enfuir, je ne peux m'enfuir, je ne peux m'enfuir. Ta grâce, ta grâce, ta grâce me rattrape toujours, me rattrape toujours, me rattrape toujours. Bonté et faveur sont sur ma vie. Ta grâce me rattrape toujours, me rattrape toujours. Je vais, ta grâce me rattrape. Et quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Et même quand je tombe, ta grâce me rattrape. Me rattrape, me rattrape. Oui, partout où je vais, ta grâce me rattrape. Et même quand je tombe, ta grâce me rattrape. Et quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Me rattrape, me rattrape, me rattrape, me rattrape. Oui, oui, partout où je vais, ta grâce me rattrape. Oui, quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Me rattrape, me rattrape, mais comment fuir? Comment fuir? Est-ce que tu peux faire comme ça avec moi? Vas-y, vas-y. Ton amour, ta grâce, me rattraperont toujours. Comment fuir? Comment fuir? Pour m'éloigner de ta main sur ma vie. Ton amour, ta grâce, me rattraperont toujours. Mais comment fuir? Comment fuir? Je ne peux m'enfuir. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le roi des rois?
J'aimerais que tu l'acclames encore plus fort que ça. Alléluia. Notre Dieu en est digne. Alléluia. Notre Dieu en est digne. Alléluia. Et nous allons chanter ce chant parce qu'il est l'agneau immolé, celui qui s'est sacrifié pour nous. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait mourir et ressusciter si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Car l'esprit de résurrection était sur lui. Et je déclare dans ta vie que s'il y a des projets qui étaient morts, s'il y avait des rêves qui étaient morts, au nom puissant de Jésus, je déclare que l'esprit de résurrection se saisit de toi maintenant. Je déclare la vie de Dieu au nom puissant de Jésus. Toute la création.
Bénis le nom de l'Éternel. Bénis Jésus. Bénis le Père, bénis le Fils. Bénis le Saint-Esprit. Signé l'agneau, signé l'agneau. Signé l'agneau. Immolé, immolé. Le Baba Baza. Louange au roi des rois. Tu es tout pour moi.
Baba Zete. Oh Jésus. Praise the Lord. Wow. Purée. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il manque des choses. Hein? Oh là là. Wow. Ils ne peuvent pas comprendre cette joie qui surpasse l'intelligence. C'est une joie qui nous dépasse. Le titre de mon message, c'est « Je réponds à l'appel ». Nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Et nous voulons répondre à l'appel. Alléluia. J'aimerais nous donner encore une autre vision de l'appel du Seigneur dans nos vies. Parce que beaucoup pensent que être chrétien, c'est faire partie d'un club, faire partie d'un groupe, c'est faire partie d'une association. C'est faire partie de quelque chose. En fait, vous devez comprendre dans quel contexte le Seigneur Jésus est venu sur ces terres. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, c'est quand même un vieux bouquin. Hein? Il est vieux, vieux. Il a plus de 2000 ans, plus. Parce que lorsqu'on voit ce que Moïse a écrit, lorsqu'on voit ce que le prophète Ésaïe va écrire, même ce que les apôtres vont écrire, les disciples de Jésus, c'est vieux tout ça. Mais peu importe la vieillesse de ce livre, il contient toujours la vie. Sauf que pour avoir cette vie, il faut être né de nouveau. Cette vie est réservée à ceux qui ont comme un pass spirituel. On parlait de pass sanitaire, là c'est le pass spirituel. En fait, il faut être qualifié. Et c'est seulement quand tu es enfant de Dieu que tu as accès. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu auras beau lire ce livre, ce sera un livre. Alléluia. Tu peux le connaître par cœur et ce livre va rien changer dans ta vie. Mais à partir du moment où tu es né de nouveau, un seul mot de ce livre peut catapulter ta vie. Alléluia. Donc nous avons une mission. C'est faire en sorte que toute l'humanité puisse naître de nouveau pour capter la vie qu'il y a dans ce livre. Alléluia. Vous savez, nous avons deux buts sur cette terre. Deux. Le premier, c'est de connaître Dieu. Alléluia. Le deuxième, c'est d'aider Dieu à ce que d'autres puissent le connaître. C'est tout. Nos vies se résument qu'à ça. Maintenant, ça va s'articuler de différentes façons. Mais le premier but, c'est de connaître Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va résumer ça d'une autre façon en disant... Tous les commandements se résument en deux seulement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme... Tu ne peux pas aimer ton prochain sans le servir, parce que l'amour sans les œuvres n'existe pas. Alléluia. Ce qui veut dire que aider ton prochain, c'est le servir. Nous sommes entrés dans un royaume où il y a des principes, il y a une éducation, il y a une culture. Et nous devons connaître cette culture en fait. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, en fait, il s'agit d'être naturalisé fils du royaume, enfant du royaume. Alléluia. En fait, j'aimerais vraiment que vous puissiez ramener les choses, dans le commun des mortels, si j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça. Que ça soit un peu plus réel pour vous. Parce que lorsqu'on lit ça, on a l'impression que c'est des choses qui sont spirituelles. C'est spirituel, mais le côté spirituel l'a rendu un peu imaginaire. Vous imaginez que Jésus, c'était un vrai monsieur. Il marchait, il parlait, il rotait, il pouvait péter. Soyons rationnels, alléluia. C'était un monsieur, un être humain qui a marché sur cette terre, qui pouvait s'énerver, qui pouvait être content, qui pouvait rigoler. J'essaie des fois de m'imaginer c'était quoi son rire. Ou bien c'était... Non, mais très souvent, en fait, on essaie de trop spiritualiser. Une fois, le Seigneur m'a dit, les choses spirituelles, c'est une science élevée. C'est juste une science élevée qui est à un tel niveau qu'on se dit, non, c'est spirituel.
Regardez ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Lorsqu'on n'arrivait pas à expliquer les choses de la science, on disait que c'était spirituel, non? Amen. Lorsque des personnes faisaient des découvertes, des scientifiques, on leur disait que ce sont des sorciers. N'est-ce pas, hein? Ça vous parle ce que je vous dis. En fait, petit à petit, on découvre juste que c'est une science élevée, à un niveau très élevé. Par exemple, aujourd'hui, la science a découvert qu'avec le son et l'eau, on peut créer de la lumière. Et ça correspond à ce que la Bible dit lorsque Dieu dit en fait que la lumière soit. La Bible dit que Dieu a parlé et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait la voix, l'Esprit de Dieu et l'eau. En fait, ils ont fait une expérience à une certaine profondeur sous l'eau où il faisait assez noir en fait. Et ils ont libéré des ondes. À une certaine fréquence, ils ont commencé à avoir des étincelles. Donc c'est une science juste à un niveau élevé. Aujourd'hui, on comprend que Dieu a pu créer le monde par la parole parce que lorsqu'on parle, en fait, on libère des ondes. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant longtemps, on a cru que le plus petit élément de la matière, c'est l'atome. Mais aujourd'hui, on est en train de se poser des questions parce qu'on ne sait pas si la particule, l'atome, est soit une onde ou bien une particule. On n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose de solide ou si c'est quelque chose de comment on appelle ça, sans forme. Amen. Là, on est dans la science un peu. Vous allez comprendre le rapport. Mais le Seigneur Jésus nous enseigne que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de libérer des ondes vers une autre matière qui possède également des ondes. Il va y avoir une réaction. Alléluia. Mais ça reste toujours dans la science. Mais quand on n'arrive pas à expliquer, on dit non, c'est des choses qui sont dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, je vous dis ça parce que j'aimerais vraiment que nous puissions revenir à la réalité. Le diable existe. Et ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il existe vraiment. Mais encore mieux, Dieu existe. Alléluia. Et vous devez comprendre l'acte que Jésus a posé à la croix. Parce que tant que tu ne comprends pas cet acte, tu ne comprends pas la mission que tu as. Tu ne comprends pas l'urgence, tu ne vas pas comprendre l'urgence, tu ne vas pas comprendre en fait le danger. Est-ce que vous savez, qui sait que désobéir à ses parents, ça peut être dangereux? Ok, ça peut être dangereux déjà par rapport à tes parents qui peuvent te... Ah, qui peuvent, je dis bien, hein? Ce n'est pas qu'ils doivent, ok? Il faut bien comprendre ce que je dis. Mais ça peut être aussi dangereux parce que si tu ne suis pas leur conseil... Demain, la vie peut t'apprendre, mais sans pitié. Amen. De la même façon, ou du moins je dirais, si avec Dieu, il faut faire, ou du moins si avec nos parents, il faut faire attention. Qu'en est-il avec Dieu? Vous pensez que les conséquences de ce que Dieu, le fait que vous désobéissez à ce que Dieu vous demande, vous ne pensez pas que les conséquences seront encore plus graves? Amen. J'aimerais nous dire aujourd'hui que le mois prochain, le 16 et le 17, nous avons une croisade d'évangélisation. Cette croisade va marquer l'histoire de ce ministère. Non seulement de ce ministère, mais je vais te choquer, de ce pays. Vous allez voir qu'après cette croisade, beaucoup vont lancer des croisades aussi. Parce que vous savez, nous avons un ministère apostolique. Vous devez le comprendre ça. Et comme nous avons un ministère apostolique, nous avons reçu le mandat d'inaugurer de nouveaux chemins. Alléluia. Les apôtres, ce sont ceux qui s'aventurent dans des endroits qu'on n'a jamais encore expérimentés, qui essayent des chemins, des sentiers qu'on a jamais encore, sur lesquels on n'a jamais encore marché. Alléluia. Vous allez voir que beaucoup vont le faire. Et si vous observez bien, beaucoup de choses qu'on a mises en place, plusieurs églises l'ont fait après. Alléluia. C'est à cause du ministère qu'on a de notre Père au niveau de l'apostolat. Alléluia. Ok. Mais j'ai remarqué que nous tous, nous avons ce petit truc en nous. Nous pouvons initier beaucoup de choses. Moi, personnellement, je l'ai remarqué. Mais je pense que toi aussi, tu peux initier des choses. Alléluia. Parce que la grâce qui coule dans la vie de ton Père coule aussi sur toi. Alléluia. Mm-hmm. Mais nous devons comprendre également que la grâce qui coule dans la vie du pasteur Paulette coule dans notre vie. La dernière fois que j'ai prêché, je vous ai expliqué que vous devez étudier votre mère spirituelle, savoir que c'est une conquérante.
Alléluia. Mm-hmm. Il y a tellement de choses à dire, il faut que je... Ok. Donc, l'appel que nous avons reçu, nous n'avons pas le droit de ne pas y répondre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui sait que, qui a déjà entendu parler d'une phrase qui dit, en fait, « Nul ne s'enseignerait la loi ». En fait, si tu ne sais pas que tu n'as pas le droit de passer par là, que tu passes par là, tu vas être sanctionné quand même. On ne va pas dire, « Ah non, tu ne savais pas, donc tu peux passer ». Tu vas quand même être sanctionné. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Il faut que j'arrive à sélectionner les bonnes choses. Pour... Ok, on va ouvrir nos Bibles dans Marc. Marc chapitre 16. À partir du verset 13. Non, à partir du verset 12. Donc, on va comprendre une chose, c'est que mon but ici, c'est vous dire que nous devons répondre à l'appel. Mais en réalité, on n'a même pas trop le choix. Rappelez-vous, Jésus est mort pour l'humanité. À partir du moment où tu es un être humain, donc il est mort pour toi. Alléluia. Mais là, je parle des non-chrétiens. Parce qu'il n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour les non-chrétiens. Alléluia. Regardez ici, Marisa, lève-toi un petit peu. Viens aussi, Julien, s'il te plaît. Vous pouvez venir. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que très souvent, on dit cette phrase, je me suis rendu compte. Venez. Je me suis rendu compte que beaucoup ne comprennent pas. Ok. Tu peux monter. Regardez. Ok, on va dire que c'est la même personne. Hein? Ok, Jésus, c'est ok. Elle est née de nouveau. Amen. Hein? Okay. Amen, amen. Imaginons qu'elle est païenne. C'est la même personne. Enfin, merci Seigneur. Lorsque Jésus est mort, il est mort pour les non-croyants. Amen. Et à partir du moment où il meurt pour les non-croyants, il meurt pour elle. Elle naît de nouveau. Elle devient une autre personne qui n'a rien à voir. Alléluia. Ça se voit, non? Mais très souvent, on fait cette erreur. Enfin bref, une autre personne qui n'a rien à voir avec la première. Mais Jésus n'est pas mort pour lui. Amen. Il est mort pour elle. Amen. Donc, c'est une façon de parler que de dire il est mort pour nous. Mais en réalité, il n'est pas mort pour nous. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Il est mort pour ce que nous étions avant. Parce que s'il est mort pour toi... Ça veut dire que si tu déclares qu'il est mort pour toi, ça veut dire que tu es encore païen. Ou du moins, tu parles de toi, de l'ancienne créature. Or, il est mort pour l'ancienne créature. Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. On parle d'une nouvelle créature qui n'avait jamais existé auparavant. Alléluia. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde dans le miroir, on voit la même tête. Amen. Nos frères, nos sœurs, nos voisins voient la même tête. Mais pourtant, ce n'est plus du tout la même personne. Amen. Alléluia. Et nous devons mettre les lunettes de la foi pour nous voir comme la parole de Dieu nous voit, pour nous voir comme Dieu nous voit. Yes. Je vais aller un peu plus loin. En fait, tant que tu vas continuer à te voir comme ça, tu manques de foi. Et c'est ça, la nouvelle création. Nous devons changer notre mentalité pour apprendre à nous voir comme nous sommes, au lieu de nous voir comme nous étions. Toute personne qui va venir te rappeler ta vie passée, en fait, est dans l'erreur. Tu dois lui prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle. Alléluia. Lui dire, hey, ça a changé. Tu dois même lui dire, mais tu parles de qui? Alléluia. Parce qu'en ce qui concerne Dieu, cette personne n'existe plus. La personne qui existe, c'est elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci beaucoup. Donc, nous avons une mission. Allez dire à tous ceux pour qui Jésus est mort, qu'en fait, ils ont accès à cette nouvelle vie. Alléluia. C'est comme si nous avons été libérés de l'esclavage, mais que nous restions encore en prison et en esclavage. Alléluia. Mais vous pouvez voir ça dans l'histoire.
Même si tu as été libéré de l'esclavage, cela ne veut pas dire que dans ta tête tu es libre. Il va falloir que tu changes ta mentalité. C'est pourquoi la Bible va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Autrement dit, afin de discerner les droits que tu as maintenant en tant qu'homme libre. Alléluia. Ok. Vas-y mon frère, tu peux lire. Vous allez comprendre. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, attends, lis à partir du verset 9. J'aimerais vous faire comprendre qu'on n'a pas le choix. Et que les disciples eux-mêmes, lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression que Dieu leur avait dit, allez mes frères, mes fils, mes disciples, allez, gagnez des âmes. Oui, c'est important, non, il était en train de les engueuler. On lit mon frère, à partir du verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ok, stop. Ceux qui disent la place de la femme, c'est la cuisine. Regardez, la première évangéliste était une femme. Amen. La première évangéliste était une femme. Amen. Il apparut d'abord à Marie de Magdala. Femme, prends-toi au sérieux. Il apparut d'abord à Marie de Magdala en lui disant, va annoncer, va prêcher l'évangile. Pas aux disciples. Continue. Et qui s'affligeait et pleurait. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Ok, voici Marie de Magdala qui va annoncer aux disciples, Jésus est ressuscité, je l'ai vu. Ils ont dit, ah, va là-bas, tu racontes quoi, on l'a vu mourir. Il apparaît à deux autres qui étaient sur le chemin de la campagne. Deux des disciples qui reviennent, qui sont revenus parmi les autres, parmi les 12 ou les autres, qui aussi annonçaient. Ils ont dit, bon, allez là-bas, arrêtez. C'est bon, on l'a vu mourir, arrêtez vos bêtises, quoi. OK? Et à mon avis, ça ne devait pas être, mais non, mais arrête, il est mort. Ça devait être, mais arrête, parce qu'ils étaient chagrinés. Ils étaient encore dans le deuil. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Mais comment tu peux nous faire ça? Arrête, quoi. Je sais qu'il est mort. Ah. Essayez d'imaginer un de vos parents qui est décédé, vous l'avez vu mourir. Quelqu'un vient te dire qu'il est cette personne est vivante. Tu ne vas pas t'énerver. Tu te fous de qui, là? T'as dit quoi, là? Hein? Tu te fous de qui? Mais c'est vrai, je l'ai vu. Bah! Ça ressemble plus à ça, n'est-ce pas? Ok, continue. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. À votre avis, est-il venu en disant, oh mes frères, oh, pas bien, vous n'avez pas cru. Pourquoi vous n'avez pas cru? Il fallait croire. Parce que non, mais voilà, je suis... Non, il était énervé. Imaginez un petit peu. Ils l'ont vu mourir. Il revient. La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il les engueule. Ça va pas, non? Mais vous êtes sérieux ou quoi là? Je ramène ça dans le contexte d'aujourd'hui. Mais attends, il y a Marie qui est venue vous voir, il y a les deux autres. Comment ça se fait que vous n'avez pas cru? Mais c'est quoi cette incrédulité? Hein? Pourquoi vous avez le cœur dur comme ça? Ah! Maintenant, allez évangéliser! Allez, sortez de là! Lis la suite, tu vas voir. Ça ressemble plus à ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, autrement dit, c'est la suite. Il ne pouvait pas s'énerver comme ça ensuite et dire, ok, maintenant, allez. Il était énervé. Il a dit, maintenant, allez. Parce que ce qu'il s'attendait, c'est quoi? Il s'attendait à ce que, lorsqu'ils aient, en fait, au fait qu'ils entendent Marie de Magdala leur dire qu'il est ressuscité, qu'ils se disent, waouh, gloire à Dieu, on va maintenant évangéliser. J'aimerais te dire que tu as une grande foi parce que tu crois sans l'avoir vu. Amen. Eux, ils n'ont pas cru, hein. Ils n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru. Mais toi, tu crois. Alléluia. Alors que tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas touché. Tu n'as même pas vu quelqu'un qui l'a vu. Mais tu crois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alléluia. Donc, j'aimerais te dire que si le Seigneur a permis que tu puisses naître à cette époque, c'est parce qu'il sait que tu as suffisamment de foi pour gagner des âmes. Alléluia. Donc, il leur dit, allez maintenant. Mais regardez la suite, ça me choque.
Continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok, voici les conditions. Celui qui va croire, qui sera baptisé, il sera sauvé. Ok, continue. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne va pas croire sera condamné. Ma question est celle-ci. Comment tu fais pour faire la différence entre celui qui a cru et celui qui n'a pas cru? Parce que s'il te le dit, c'est bien, mais qui te dit que c'est vrai? Qui te dit qu'il est vraiment né de nouveau dans son cœur? Tu n'as aucune preuve. Mais le Seigneur va anticiper cette question. Vas-y, continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, il est en train de répondre pour dire, bon, je vais vous montrer comment vous allez savoir celui qui a cru. Parce que celui qui n'a pas cru, c'est facile. Il dit non, je ne veux pas. Mais celui qui a cru, qui dit oui, comment tu sais qu'il croit vraiment dans son cœur? Comment tu fais pour savoir? Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront. Ceux qui auront. Vas-y. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok. Ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Autrement dit, à quel moment on vous... En fait... Le fait de chasser les démons, de guérir les malades, ça a été donné pour vérifier si la personne est née de nouveau. Mais aujourd'hui, on l'utilise comme une finalité. Les gens se disent, Jésus a dit, pour savoir que la personne est née de nouveau, autrement dit, le frère vient d'accepter Jésus, amen. Mais bon, mon frère, je n'ai pas de preuve. Ramenez-moi un malade ici. C'est ça en fait. Alléluia. Il y a quelqu'un qui racontait qu'il avait lu dans un livre, en fait, où on parle de l'église primitive. On disait que lorsqu'une personne acceptait le Seigneur, parce qu'ils étaient dans une certaine époque où on ne pouvait pas ramener n'importe qui là où ils avaient les cultes, en fait, là où ils faisaient le culte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient recherchés par les Romains. Alléluia! Donc, les Romains, eux, en fait, essayaient de se déguiser en chrétiens. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient espionner pour savoir où ils se trouvent pour ensuite aller les attraper. Mais donc, ils avaient des techniques pour qu'ils puissent savoir si la personne est vraiment née de nouveau et non pas le fait que ce soit un charlatan ou bien un comédien, ou bien même un espion. Donc, lorsque la personne acceptait le Seigneur, on disait, ok, avant qu'on aille à l'église, il faut qu'on ramène un malade ici, ok? Si le malade n'est pas guéri, désolé, je ne pourrais pas te ramener à l'église. Parce que je n'aurai pas la preuve du fait que tu es né de nouveau. Par contre, si la personne est guérie, c'est parti, on pourra aller à l'église. Vous voyez la mentalité de l'époque. Maintenant, la situation de l'époque faisait qu'ils étaient obligés de le faire. Mais aujourd'hui, comme on n'a plus de persécution, on se dit, bon, quand la personne dit au nom de Jésus, amen, c'est qu'elle est née de nouveau. On en a vu, hein, qui ont accepté Jésus. Mais quand tu regardes leur vie, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, 10 ans, tu te dis, mais Jésus est là, tu es sûr qu'il est quelque part dans ta vie. Et c'est là, et c'est ça qui affaiblit le christianisme d'aujourd'hui. J'aimerais te dire que tu as la responsabilité de répondre à l'appel parce que tu as entendu parler du fait que Jésus est vivant. Et tu dois imposer les malades. Tu dois imposer tes mains aux malades pour que les malades soient guéris. Tu dois chasser les démons. Tu ne dois pas t'attendre au pasteur. Écoute-moi bien. Lorsque tu viens pour que le pasteur prie pour toi, tu viens parce que tu n'as pas su grandir dans ce domaine. Mais si tu avais grandi, tu n'allais pas... Attendez, qui prie pour moi? Qui m'impose les mains, moi, pour que je sois guéri? Alléluia. Vous n'êtes pas posé la question. Et les pasteurs, et l'apôtre. Il va voir qui l'apôtre pour qu'on prie pour lui. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Mais si vous écoutez son enseignement, vous allez voir qu'il parle de la santé divine. Il parle de la santé divine parce que nous devons grandir. Mais de la même façon, nous devons prier pour les malades, aller évangéliser. Lorsque tu sors évangéliser et que tu vois quelqu'un qui boite, c'est parce que tu dois lui prêcher l'évangile. Alléluia. Nous avons une grâce d'une certaine façon. Il y a trop de païens dans ce pays. Je te regarde déjà dans ton bâtiment ou dans ta rue, le nombre de païens qu'il y a. Donc tu as la responsabilité d'aller les voir et de leur parler de Jésus. Il y en a qui vont dire, ouais, mais moi j'ai peur. J'ai envie de te dire, on s'en fout que tu aies peur. C'est la vérité, hein. On s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'en fait, que tu aies peur ou pas, tu dois quand même obéir. En fait, quand le Seigneur Jésus va dire « Allez, ne pas faire, tu es dans la désobéissance. » Amen.
Il ne s'agit pas de « je suis un évangéliste, je suis un pasteur ». Non, ça n'a rien à voir. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. On a tous reçu l'obligation de parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Tu dois le faire. Écoute-moi bien. Même prier pour les malades fait partie des ordres qu'il a donnés. Il va dire « allez ». Un autre passage va dire « allez guérissez les malades ». Donc, quand tu ne vas pas les guérir, tu es en désobéissance. Et la Bible va nous dire, dans le livre de Samuel, que la désobéissance est semblable à la divination. Lorsque tu désobéis, entre toi et le sorcier, vous êtes pareil. C'est fort, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Nous devons arriver à ce niveau où on se dit, je n'ai pas le droit de ne pas gagner au moins une âme par semaine. Et même par semaine, tu te donnes, tu es large. Parce que normalement, c'est partout où tu vois une âme, tu sais qu'elle n'est pas née de nouveau. Le Saint-Esprit va te parler. Mais comment tu réagis lorsqu'il te parle? Oui, mais non, mais regarde, s'il vient jusqu'ici, là, je pourrais lui parler. Non, là, s'il fait ça, ça, s'il m'adresse la parole, là, mais à quel moment tu as vu ça dans la parole de Dieu? Il n'a mis aucune condition. Il a dit, païen, alors prêche l'évangile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu ne prêches pas l'évangile à une personne que tu sais païenne, tu es en train de négliger le prix qu'il a payé. Tu es en train de dire, ok, tu as souffert, mais ça peut attendre. Tu es en train de dire, Jésus est mort, mais bon, on a le temps. Est-ce que tu sais que ton voisin peut mourir demain? Qui te dit qu'il n'est même pas déjà mort là? Une fois, le pasteur Yvonne nous a raconté une histoire tragique. Tragique. Le pasteur Yvon, c'est le pasteur principal de l'église de Lyon. Il nous raconte que il y a une personne qui était venue le voir en lui disant, oui, c'était cette personne qui était venue le voir, c'était une brebis de l'église. En lui disant, non, mais en fait, tu sais, pasteur, j'ai un professeur là d'université. Vraiment, il est bizarre, il est trop méchant, il est trop dur, il est trop bizarre. Vraiment, je n'arrive pas, ça m'énerve. Et là, le pasteur Yvon lui a dit, en fait, va et prêche l'évangile. Il dit, mais je ne peux pas, il est trop méchant, il va me taper, il va m'engueuler, ça va être trop compliqué. Comme beaucoup disent, en fait. Quand ils voient les gens, par exemple, qui fument de la drogue ou qui vendent du shit ou je ne sais pas quoi. Mais non, il est trop dur, il ne va jamais accepter. Et du coup, le pasteur Yvon lui dit, mais en fait, tu n'as pas le choix, tu dois lui prêcher l'évangile. Donc la personne part. Quelques jours après, il revient. Et dit non, franchement, j'arrive pas, c'est trop dur. Tu dis pourquoi? Le pasteur va lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? La personne va dire quelque chose du genre, j'ai essayé, mais bon, quand j'allais vers lui, j'ai eu peur, je suis revenu, j'ai changé de sujet. Le pasteur Yvon lui a dit, tu n'as pas le choix, tu ne comprends pas l'urgence de l'évangile. On doit prêcher l'évangile, on n'a pas le choix en fait. Ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas si ça te dit ou ça ne te dit pas. Tu dois prêcher l'évangile, c'est un ordre du Seigneur. Ok, la personne s'est décidée à prier, elle a dit, bon bah là, demain, je vais lui prêcher l'évangile. Elle était vraiment motivée. Cette brebis était vraiment motivée. Donc, elle arrive dans ce cours, le cours est annulé. Elle se dit, ok, bah la prochaine fois, d'accord. Donc, elle revient encore dans ce cours, peut-être quelques jours après encore. Elle voit que c'est un autre prof qui est là. Elle dit, ah, mais où est l'autre prof? On lui annonce qu'il est décédé. Le monsieur est mort. Pourquoi? Parce que, ah, j'ai peur. Le monsieur est en enfer. J'espère qu'entre-temps, quelqu'un a osé obéir et lui prêcher l'évangile pour que cette personne se retrouve auprès du Seigneur. Mais sinon, cette personne est en enfer. Les personnes qui s'énervent le plus, qui crient le plus, qui sont les plus dures, qui nous donnent l'impression d'être les plus méchantes, ce sont ceux qui ont le plus besoin du Seigneur. Parce qu'ils n'arrivent plus à contenir leur frustration. Leurs blessures. Ceux qui ont le plus besoin du Seigneur. Et tu as une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. La seule raison qui fait que tu sois encore sur cette terre, c'est parce que tu dois prêcher l'évangile. Si tu étais sur cette terre pour autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais selon la parole de Dieu, tu es encore là parce que tu dois prêcher l'évangile. Sinon, notre Dieu serait quand même méchant de le laisser sur cette terre où on risque, si on ne surveille pas bien nos vies, de nous retrouver en enfer. Amen. Mais il prend ce risque-là parce qu'il compte sur toi.
j'aimerais que tu puisses dire, je réponds à l'appel. Merci Seigneur, parce que tu m'aides et je réponds à l'appel. Saint-Esprit, inspire-moi, pousse-moi. Je veux prier pour les malades. Je veux chasser les démons. Je veux répondre à l'appel. Merci Seigneur, parce que je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Quelles que soient les circonstances, j'annonce la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est vivant et il est mort pour les péchés de l'humanité. Au nom de Jésus, je réponds à l'appel. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ce que les hommes vont dire de moi. Je n'ai pas peur. Je déclare que j'ai suffisamment d'audace pour répondre à l'appel. Alléluia. J'aimerais faire un appel. Vous savez, tout ce qu'on fait là, on vient au culte le dimanche juste pour avoir un peu plus d'informations, de connaissances sur Dieu, pour mieux faire le travail de gagner les âmes, de répondre à l'appel. On a deux étapes. Premièrement, on doit gagner les âmes. Deuxièmement, on doit les enseigner pour qu'eux aussi puissent être formés pour gagner aussi des âmes. Alléluia. Formés pour encore plus parler du Seigneur. Formés sur la façon dont on s'y prend pour connaître le Seigneur. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es venu ici, tu as été invité. Tu viens pour la première fois, tu entends un message comme celui-ci pour la première fois. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Tu ne sais peut-être pas, tu ne comprends peut-être pas, mais tu sais au plus profond de ton cœur que quelque chose se passe maintenant. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes et fermer les yeux. Père éternel, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui convaincs. Merci parce que tu touches le cœur de cette personne que tu as amenée ici. J'aimerais, Seigneur, les aider à se réconcilier avec toi. Maintenant, je vais faire un appel. Gardez vos têtes courbées, les yeux fermés. J'aimerais t'aider aujourd'hui à recevoir Jésus dans ton cœur, à changer de vie, à ne plus être esclave de la peur, du stress, à ne plus être esclave de tes émotions. Si tu veux que je t'aide et que je prie avec toi, lève tout simplement la main, fermez vos yeux, courbez vos têtes, lève tout simplement la main là où tu es. Je vois une personne, deux personnes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alléluia. Gardez vos mains levées. Tu aimerais naître de nouveau, recevoir Jésus dans ta vie. Je te demande un peu plus de courage. Lève-toi et viens devant, je prie avec toi. Parce que tu en as besoin, ta vie doit changer. Alléluia, tu peux venir, tu peux venir. On peut les acclamer, encouragez-les, c'est pas facile. C'est pas facile, encouragez-les. Vous pouvez venir ici. Donnez aux hommes, oui Jésus est. La lumière du monde, la lumière du monde, le pain de vie, donnez-leur de la place, faites-leur de la place. Oui, Jésus est la vie, il est la lumière du monde. Ferme tes yeux là où tu es devant. On va le chanter. Oui, Jésus est la vie, la lumière du monde, le pain de vie. Donnez aux hommes. Donnez aux hommes. Alléluia. J'aimerais te dire que l'acte que tu vas poser
va catapulter ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai fait cette prière il y a maintenant 13-14 ans. Ma vie a complètement changé. Je fumais de la drogue, je vendais du shit moi-même. J'étais violent, j'étais souvent dans les bagarres, dans des choses bizarres. Mais le Seigneur Jésus a touché mon cœur le jour où je l'ai accepté. Si tu es encore dans la foule, dans le public, et que tu aimerais aussi t'avancer, il n'est pas trop tard, tu peux encore venir. Tu peux encore venir. J'aimerais dire que, vous savez, lorsqu'on accepte Jésus, notre vie change. Notre vie n'est plus jamais la même. Vous savez, de la même façon qu'un homme, lorsqu'il va se marier avec une femme, il doit le faire devant des témoins, devant l'État et devant des témoins. De la même façon, tu vas lui dire oui devant des témoins, c'est important. Il ne s'agit pas de le faire dans son cœur. Si tu te retrouves à la mairie en tant qu'homme ou en tant que femme et que tu dis oui à ton conjoint dans ton cœur, ça ne va pas marcher. Tu dois le dire en voix haute, il faut qu'il y ait des témoins. Et là, il s'agit d'une alliance avec le Seigneur. Alors, je vais vous demander de le dire à voix haute pour qu'on puisse vous entendre. Vous allez fermer les yeux, vous allez répéter après moi, vous allez dire « Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole et je crois que j'ai vraiment besoin de toi. » La Bible déclare qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, je confesse, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je crois qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je puisse avoir la vie. Alors aujourd'hui, je le crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur et je le reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Au nom de Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Le cœur de pierre a été enlevé de moi et je reçois le cœur de chair. Désormais, je peux aimer avec facilité. Je peux pardonner avec facilité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux pousser un cri de joie. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Acclame le Seigneur. Parce que quelqu'un vient de naître de nouveau. Oui, Jésus. Oui, Jésus est la vie, la lumière du monde. Acclame le Seigneur encore pour leur vie. Félicitations. Votre vie vient de changer, être catapultée. Jésus, continue à acclamer le Seigneur. La lumière du monde. La lumière du monde. Il est le pain de vie. Alléluia. Le pain de vie. Donnez aux hommes. Donnez aux hommes. Ok. Sachez maintenant une chose. Écoutez-moi très bien. Autrefois, avant que vous puissiez faire cette prière, vous apparteniez au diable. Même si vous ne le croyez pas, selon la parole de Dieu, selon Dieu, vous apparteniez au diable. Désormais, vous appartenez à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ceci. Le diable est un ennemi. Il ne sera pas content. Maintenant que vous appartenez à Dieu, il ne va pas vous laisser faire. Il va tout faire pour vous faire croire que ce qui vient de se passer maintenant était imaginaire. C'est le fruit de vos émotions. Mais je vous le dis, c'est faux. C'est réel ce qui vient de se passer. Maintenant, ne te précipite pas à aller forcément dire ça à ton père ou à ta mère ou à ton meilleur ami. Il pourrait croire que tu es dans une secte. Prends le temps de grandir dans le GR pendant peut-être une semaine, deux semaines pour être sûr des paroles qu'il faut donner. Alléluia. Et si tu veux l'inviter ici, dis-lui, j'aimerais t'inviter quelque part parce que je pense que ça a changé ma vie. Parce que je suis persuadé qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Et invite-la. Mais si la personne te dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu lui dis, suis-moi tout simplement. Amen. Mais commence pas à essayer d'expliquer ce que j'ai expliqué. Parce qu'il faut des fois une sagesse particulière ou une onction, une capacité surnaturelle pour bien
bien l'expliquer. Sinon, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Et le diable va utiliser ça pour te dire, tu vois, c'était n'importe quoi ce que tu as vécu. Or, c'est réel. Vous allez être persécuté par le diable. Le diable va tout faire pour vous faire du mal, pour vous attaquer, pour vraiment vous pousser à regretter ce que vous avez posé comme action. Mais quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les péchés même que vous pourriez faire après aujourd'hui, sachez que rien ne peut vous éloigner de l'amour de Dieu. Rien, ni le péché, ni les persécutions, ni la peur, ni la mort, rien ne pourra vous éloigner de l'amour de Jésus. Rien. Donc, quel que soit ce qui va se passer, déclarez-le. Rien ne pourra m'éloigner de l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, qu'il puisse y avoir une personne qui prenne leur nom ou quelque chose, parce qu'on a besoin d'avoir une trace de leur passage. Alléluia. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller par là. Alléluia. Allez par là. Félicitations. On peut continuer à les acclamer. Félicitations. Alléluia. Continuez à les acclamer. Continuez à les acclamer. C'est des courageux. Ils ont décidé de suivre Jésus. Alléluia. Continuez à les acclamer. Acclamez-les. Alléluia. Maintenant, nous allons préparer nos offrandes. Alléluia. Pour venir célébrer le Seigneur et le remercier pour les âmes qu'il a touchées. Alléluia. Et j'aimerais également vous dire que, vous savez, il y a ceux qui ont également leur offrande par rapport aux 1000 personnes dont nous avons besoin pour la croisade. Alléluia. Pour ceux qui ont leur offrande de 1000, préparez-les, mais attendez, on va prier pour vous à la fin. On va vous appeler à la fin, ok? Sinon les autres, vous pouvez préparer vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Wow, Dieu est bon, n'est-ce pas? Préparez vos dîmes, préparez vos offrandes. Extraordinaire, Dieu est bon. Ceux qui ont leur offrande par rapport aux 1000, vous gardez vos offrandes, je vais vous appeler à la fin pour qu'on puisse prier pour vous. Sinon les autres, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever et faire le tour pour venir donner vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que tout le monde peut se lever? Nous allons louer le Seigneur pendant le temps des offrandes. Merci. Et tu peux acclamer comme ça aussi. Oui, je crois.
Maintenant, j'aimerais appeler toutes les personnes en fait qui ont fait leur promesse de 1000. Est-ce que vous pouvez vous avancer rapidement? Ceux qui ont fait leur promesse de 1000 et qui les ont, qui ont leur promesse. Est-ce qu'il y en a? Oui, non, oui. Tous ceux qui ont leur promesse de 1000, qui avaient fait une promesse de 1000 et qui les ont avec eux, ou qui aimeraient faire une promesse de 1000. Bon, je vais l'expliquer différemment, parce qu'on dirait peut-être qu'on n'a pas bien compris. En fait, par rapport à la croisade, on va avoir beaucoup de dépenses. Alléluia. Et on a besoin que des personnes puissent s'engager pour donner 1000 euros. Parce qu'on a des dépenses qui avoisinent, qui dépassent même un peu 100 000 euros. Et on attend 100 000 euros. Et du coup, on attend 100 personnes qui vont donner 1000 euros. À partir du moment où on aura les 100 personnes, ce sera terminé. On ne va pas prendre une personne de plus. Sachez que le fait de participer à une telle croisade est une grâce. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vous donne l'opportunité. Si vous aimeriez participer à cette croisade en étant un pionnier ou du moins une personne qui contribue à ce que cette croisade puisse voir le jour. Comme l'apôtre disait, quand tu vas rentrer dans la salle, tu vas dire tout ceci se fait grâce à moi. Wow. Alléluia. Donc j'aimerais t'inviter devant. Alléluia, pour que je puisse prier pour toi. Soit tu as les 1000 maintenant, sinon tu vas les avoir au moins avant la fin du mois ou sinon à la fin du mois. Tu peux t'avancer parce que c'est vraiment important que nous puissions prier pour vous. Parce que c'est un engagement particulier. Si tu aimerais donner les 1000, avance-toi maintenant. Gloire à Dieu. Une personne, on peut déjà l'acclamer. Bon. Tu aimerais participer à cette croisade financièrement, tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer. Je vois une deuxième personne. Alléluia, on peut l'acclamer. L'apôtre l'enseignera sûrement, mais il y a ce qu'on appelle la grâce des bâtisseurs. Et je vous dis que derrière cette croisade, il y a cette grâce. Je vois une deuxième personne, peut-être. Non, on est trois personnes. Ok, je vais prier pour vous. Alléluia, Père éternel. Personne d'autre? Rapidement, une fois, deux fois. Ok, une troisième personne, on peut l'acclamer. Alléluia. Père éternel, je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui donnes la semence aux semeurs. Seigneur, tu mets cette semence entre leurs mains afin qu'ils puissent venir donner pour la croisade que tu as suscitée. Cette croisade, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de notre père, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Seigneur, je crois que cette croisade va sauver des centaines, voire des milliers d'âmes. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que parce qu'ils ont participé à cette croisade, que quelque chose de particulier se passe dans leur vie. Seigneur, je déclare, Seigneur, une nouvelle sagesse, une nouvelle onction dans les finances, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que parce qu'ils ont participé, Seigneur, à cette croisade, avec leurs finances, Seigneur, qu'ils ne manquent plus jamais de rien. Je déclare des idées d'entreprise. Je déclare, Seigneur, que lorsqu'ils auront des projets, que tu puisses susciter des gens également pour participer à leurs projets. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, on peut les acclamer. Vous pouvez aller derrière, donner vos noms derrière la caméra. Vous allez pouvoir donner vos noms et numéros de téléphone. Alléluia. Père éternel, merci pour ces offrandes qui ont été données. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu rends au centuple à tous ceux qui ont donné. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse.
participer en réservant vos places pour la croisade de miracles et de guérison. Du 16 au 17 avril, à l'espace Jean Monnet, à Rungis, avec l'apôtre Alain-Patrick Tsenguet.